بسم الله الرحمن الرحيم أخواني الطلبة أخواتي الطالبات قسم النهائي اليوم راح نقدم لكم نطرح لكم امتحان الباك ولكن من الخارج مطرحة في بلد إفريقي. Donc je vais vous lire le sujet. هذا الناس تلاميذ اللي يحبوا يطرقوا لبعض التمارين باه يتمرنوا باه يكونوا يشوفوا كيف المواضيع كيف تطرح. Alors je vais donc énoncer donc l'exercice qui est donné. Soit f, la fonction numérique définie sur r par f de x égale 1 plus x plus 2 exponentielle moins x. Et soit c, sa courbe représentative dans un repère ordonnommé au j d'unité graphique 1 cm. 1a, montrer que limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale moins l'infini, puis calculer et interpréter graphiquement la limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini. B, justifier que f de x égale 1 plus x sur exponentielle dx plus 2 sur exponentielle x, puis calculer et interpréter graphiquement la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. 2. Calculer f' de x, où f' est la fonction dérivée de f. Dresser le tableau de variation de f. 3. Montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha, justifier que alpha est compris entre moins 2,2 et moins 2. 4a, montrer que i de coordonnées 0 et 3 est un point d'inflexion pour la courbe C. Écrire une équation de la tangente T à C en ce point. B, construire la courbe C et sa tangente D dans le repère OIJ. 5, soit S l'air en centimètres carrés de la partie du plan fermé par la courbe C et les axes de coordonnées. Montrer A, montrer que S est de alpha à 0 de f de x dx. B, vérifier que, quel que soit x appartenant à l'ensemble des réels, R, f de x égale 1 plus h' de x. H' de x étant la dérivée de hx qui est égale à moins x plus 3 exponentielle moins x. En déduire une primitive de f sur R. C, justifier que exponentielle de moins alpha égale moins 1 sur alpha plus 2 et en déduire que la surface S est égale à moins alpha sur 3 alpha plus 3 au carré égale sur alpha plus 2. Donc nous allons commencer. Donc à la solution. Montrer que limite de x égale moins l'infini. Alors, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à la limite de 1 plus x plus 2 facteur de exponentielle moins x quand x tend vers moins l'infini. Cette limite, je peux la décomposer en la limite de 1 quand x tend vers moins l'infini plus la limite de x plus 2 facteur de exponentielle de moins x quand x tend vers moins l'infini. La limite de 1 constante reste 1, ne change pas, plus la limite de 1. Qu'est-ce qu'il emporte ici? C'est toujours l'exponentielle par rapport à x. Donc ce sera plus l'infini. Moins l'infini.
Ici, ce sera donc moins l'infini, x plus 2, hein, multiplié par l'infini. Parce que exponentielle de moins moins l'infini, c'est plus l'infini, donc le résultat c'est moins l'infini. La limite de f dx quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Ça, c'est un premier résultat, je vais l'encadrer. Puis calculer et interpréter géographiquement la limite de f dx f. Alors, le calcul, la limite de f de x sur x, quand x tend vers moins l'infini. Je vais carrément remplacer f de x par sa valeur, 1 plus x plus 2 exponentielle de moins x sur x. Ça me donnera la limite de 1 sur x, quand x tend vers moins l'infini, plus la limite de x plus 2 sur x exponentielle moins x. La première expression, limite de 1 sur x, c'est 0. Plus la limite de ça. La limite de x plus 2, c'est 1. Multiplié par quand x tend à l'infini, donc ce sera l'infini. Pourquoi? X étant remplacé par moins l'infini, le moins par moins, ça donne plus. Donc au total, ça me fait plus l'infini. Et qu'est-ce que ça veut dire? Interprétation. Interprétation. C'est-à-dire au voisinage de moins l'infini, hein, il n'y a pas d'asymptote. B. Justifier que f de x est égal à. Alors, f de x, c'est 1 plus x plus 2 exponentiellement x est égal à, autrement, 1 plus x plus 2 sur exponentielle de x. Ou bien 1 plus x sur exponent de x plus 2 exponentielle de x. Calculer, interpréter graphiquement limite de la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de tout ça. 1 plus x plus 2 sur x. Donc, vous voyez ici, quand x tend vers plus l'infini, cette expression tend vers 0 et aussi cette expression qui tend vers 0. C'est très important. L'exponentielle est toujours plus grand par rapport à x. C'est pourquoi au voisinage de plus l'infini, l'expression est tend vers 0. Alors, le résultat, c'est égal à 1. Interprétation. Alors, la droite y égale 1
et asymptote horizontale à la courbe C. Deux. Calculer f' de x. On sait que f de x est égal à 1 plus x plus 2 exponentielle moins x. Donc f' de x, la dérivée de 1 c'est 0, plus quoi? Je considère que ça c'est u et ça c'est v, donc u prime v, donc u prime v plus u v prime. Alors u, voyez bien que u est égal à x plus 2, donc u prime est égal à 1. V égale exponentielle de moins x, v prime égale moins exponentielle moins x. Je vais développer. F prime de x donc est égal exponentielle moins x moins exponentielle moins x x plus 2. Ça veut dire quoi? Exponentielle moins x en facteur, 1 moins x plus 2. Donc f prime de x est égal à quoi? Donc exponentielle de moins x, facteur 2, 1 plus 2, 1 moins 2, ça fait moins 1, moins x. Voilà la dérivée recherché. Alors, donner le tableau de variation. Alors, on va dire que la dérivée s'annule pour moins x moins moins 1 moins x égale 0, ou bien x égale moins 1. Donc sur ce point-là, il y a un maximum, il y a un extrémum. Alors tableau de variation, x varie de moins l'infini passant par moins 1 à plus l'infini. F' de x s'annule pour x égale moins 1. Donc c'est positif ici et négatif. Pourquoi? Parce que 1 moins x est positif pour x inférieur à moins 1. Alors, ici f de x, la fonction ici elle est croissante et ici elle est décroissante. Alors ici, pour x moins 1, f de moins 1, c'est 1 plus moins 1 plus 2 exponentielle de moins 1. Ça fait 1 plus e.
1 plus E, qui est égal à 3,7. Quand x tend vers plus l'infini, nous avons égal à 1, 1. Et ici, c'est moins l'infini. F de x égale 0, c'est 1 plus x plus 2 exponentielle moins x égale 0. Admis solution unique, comment le savoir? Alors ici, on va voilà la valeur alpha, et ici c'est 0. C'est-à-dire que le passage de moins l'infini à une valeur positive, ça passe par 0. Donc, f de x va s'annuler pour une valeur de alpha. Il y a une solution unique. Vous voyez bien, il y a une solution unique. Alors, justifier que... Alors, on va écrire que f moins 2,2 est égal à quoi? On va calculer avec la machine à calculer. C'est moins 8, 0,2. F de moins 2 est égal à 1. Donc, à peu près ici. Alors, si je fais selon le théorème des accroissements finis, f de moins 2 multiplié par f de moins 2 est négatif. Donc, solution est solution unique. A montrer que I de coordonnées 0,3 est un point d'inflexion pour la courbe C, écrire une équation de tangent T assez en ce point. I est un point d'inflexion. Pour savoir, premièrement, nous avons la dérivée de la fonction. C'est égal à quoi? E moins X moins 1 moins x. La dérivée seconde est égale à quoi? Alors, e moins x facteur de moins 1 plus
moins exponentielle de x, facteur 2 moins 1 moins x. F seconde de x toujours, c'est moins exponentielle de x, moins par moins ici, c'est plus exponentielle de x, moins par moins, c'est plus x. Donc, f seconde égale x exponentielle de moins x. Alors, le point d'inflexion, c'est le point d'inflexion est calculé lorsque f seconde de x égale 0. Donc, l'abscisse du point d'inflexion et la solution de l'équation f seconde de x égale 0. Donc, f seconde de x égale x exponentielle de moins x égale 0. Donc, solution x égale 0. C'est bien ce qui est porté. Donc, i a bien l'abscisse 0. On va calculer f de 0. C'est 1 plus 0 plus 2 exponent de 0. Qu'est-ce que ça donne? Ça fait 1 plus 2. Ça fait 3. Donc, le point I de coordonnées 0, 3 est bien un point d'inflexion. Équation de la tangente t à la courbe C au point I. L'équation générale, c'est f' de 0 x moins 0 plus f de 0. Je vais remplacer f' de 0, c'est quoi? F' de 0, c'est moins 1. X plus f de 0. F de 0, c'est quoi? C'est 3. Donc, moins x plus 3. Donc, la tangente, l'équation de la tangente, et y égale moins x plus 3. J'encadre. Construire la courbe. Construction de la courbe C.
Alors, le repère orthonormé X' OX, Y', OY, je vais prendre 1, 2, 3, 3,7 ici. Ici 1,E, 2. Ici moins 2, moins 2, 2,2. Ici moins 1. Alors, je vais tracer ici, c'est l'asymptote horizontale. Moins 3, ici moins 1, moins 2. L'extrémum, c'est ici. Et ici, quand x tombe vers moins l'infini, ça tombe vers moins l'infini. Et ici, on avance vers 1. Ici, c'est l'extrémum. Alors, y égale moins x plus 3, x, quand x tend vers 0, y tend vers y égale 3, quand y égale 0, x égale 3, quand x égale 0, y égale 3, c'est ici, quand x égale 3, il y en a, y égale 0. Voilà. Alors, je vais tirer là. La droite dont la couleur est bleue, c'est la tangente. Au point 3,
0,3. Voilà. Y égale moins x plus 3. Alors j'ai construit donc la courbe C, voilà, en rouge. J'ai construit donc la tangente T. Cinquième question. Soit S l'air en kilomètres du parti, etc. Et les actes coordonnés montrent que S égale, oui. S, la surface, est égale de moins 2 de alpha jusqu'à 0 de f de x. Voilà. Donc, c'est cette surface. Voilà. Je vais calculer donc de alpha à 0, de 1 plus x plus 2, exponentielle moins x, dx. Alors, c'est 2 alpha à 0 dx plus alpha 0 de x exponentielle moins x dx plus 2 alpha 0 de exponentielle de x dx. Ici, c'est x. Variant 2, alpha 0, une primitive de dx, de y, de 1, c'est x. Ensuite ici, l'intégrale de alpha à 0 de x exponentielle de dx, je vais ici utiliser de l'intégration par partie. Donc c'est moins x exponentielle de x, alpha à 0, moins alpha 0 de moins x dx. Voilà. Ça va donner alpha exponentielle moins x moins alpha moins alpha 0, c'est-à-dire alpha exponentielle moins alpha moins 1 moins égal. Exponentielle de alpha, alpha, plus exponentielle de moins alpha, moins 1. Soit exponentielle moins alpha, alpha, plus 1, moins 1. Je vais le remplacer ici.
je vais le remplacer ici. Plus alpha, alpha plus 1, moins 1. Plus 2, facteur de 1, moins ici c'est moins alpha plus exponentielle de moins alpha, alpha plus 1, moins 1, plus 2, plus moins 2 exponentielle de moins alpha. Qu'est-ce que ça donne? Là, la plus 1. Moins, moins 2. Moins 2. Si, c'est moins. Ça va faire moins 3, moins alpha moins 3, plus exponentielle de moins alpha, alpha plus 1, moins 1. Plus 2. Moins 2. Ça va me donner moins alpha moins 3 plus E moins alpha, alpha plus 3. Je vais continuer. S, je l'ai calculé, S donc est égal à moins alpha moins 3 plus E moins alpha, alpha plus 3. Vérifier B. B. Ah. On sait que la solution unique, c'est pour x égale alpha. Donc, f de alpha égale 0, soit 1 plus alpha plus 2 exponentielle de alpha égale 0. Et de là, je peux tirer exponentielle de moins alpha, c'est moins 1 sur alpha plus 2. F de x. B, donc je vais dire f de x égale 1 plus h prime de x. H de x égale moins x
plus 3 exponentielle de x. Donc h prime de x c'est quoi? C'est moins. Alors, exponentielle de x plus x plus 3 moins exponentielle de x. Ça fait moins exponentielle de x moins exponentielle de moins x, x plus 3. Donc f de x, égale 1 plus h prime de x. C'est quoi? 1 plus moins ça fait 1 moins exponentielle de moins x plus exponentielle de moins x. X plus 3. Soit un plus exponent de x de quoi? X plus 3 moins 1. 1 plus exponentielle de x, x plus 2. C'est bien la fonction f. On déduit une primitive de f. La primitive de f, une primitive de f, c'est quoi? C'est la primitive de 1 plus h prime de x. Ça, c'est quoi? C'est x plus h prime de x dx. Ici x plus 1 plus h prime dx et hx. C'est moins x plus 3 exponentielle de moins x. Ça va faire x moins x exponentielle de x moins 3 exponentielle de moins x. Ça veut dire quoi? X voilà une primitive de x plus c. C'est une constante. Alors, on a calculé tout à l'heure que S, c'est quoi? Moins alpha moins 3 plus on va remplacer exponentielle moins alpha par la valeur
ici ça va faire facteur de alpha plus 2 moins 1 alpha plus 3 sur alpha plus 2. S est égal, si je mets alpha moins alpha sur 2, moins, vous voyez bien, alpha plus 3, facteur de alpha plus 2, plus moins 1. Plus 1. Plus 1. Donc S, ça va donner moins alpha plus 3 au carré sur alpha plus 2. Et ça, c'est voilà, donc le résultat recherché. Alors, je vous remercie de votre attention.